Alors, comme nous l'avons déjà vu dans chapitre 2 précédemment, l'ensemble des points. C'est quoi ton film préféré? Est-il nécessairement dénombrable? Ok, concentre-toi. Elle veut connaître ton film préféré, ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à tes goûts. Elle veut savoir si vous avez des points communs. Il suffit donc que tu devines son film préféré et tu passeras pour son âme sœur. Elle a dessiné un cœur sur son cahier. Elle doit être sentimentale, fleur bleue. D'ailleurs, il y a des fleurs sur sa coque de téléphone. Ça colle. Le livre qu'elle est en train de lire s'appelle Premier Amour. Il est abîmé, il doit être ancien. Peut-être que son film préféré est un ancien film romantique plein de bons sentiments, tel que Roméo et Juliette ou un truc comme ça. Attends une minute. Elle s'est tatouée un revolver sur son poignet, c'est pas logique. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ah oui, le cœur sur son cahier remplace le haut de Moni. C'est pas l'amour, c'est l'argent. Le livre est abîmé pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'elle le malmène. Elle le lit, mais elle le déteste. Ça doit donc être un film de gangster. Attends, elle écrit en noir sur son cahier. Normalement, quand on écrit en noir, c'est que quelqu'un t'a volé ton stylo bleu. Mais là, elle a du bleu dans sa trousse. Et elle a mis sa famille en fond d'écran. Noir, rouge, famille, gangster. Mais oui! Je dirais le parrain. Ah, sérieux? Moi aussi? Ah bon? Willem, puisque tu parles avec ta camarade, réponds-moi cette question. Ok, concentre-toi. Toutes les réponses doivent être au tableau. Il suffit d'utiliser le théorème... Non, le... Le truc... Mais qu'est-ce que... C'est la merde. Ah,